Bon, bref, je vais la refaire. Salut. Salut, je m'appelle Maya, j'ai 18 ans et je suis présidente à l'Association des Jeunes Engagés. Salut, je m'appelle Dimitri, j'ai 22 ans et je suis trésorier à l'Association des Jeunes Engagés. C'est un syndicat qui œuvre pour le bien-être des jeunes sur Genève. Ça a l'avantage d'être fait par des jeunes et pour des jeunes et notre but c'est de défendre justement nos droits et ceux des autres jeunes, surtout du secondaire 2. C'est pas parce que vous n'avez pas encore le droit de vote que vous pouvez rien faire. C'est aussi ça, je crois, le gros message de cette association. La première valeur, ce serait, je pense, l'écoute. On est là à l'écoute pour les jeunes et pour les aider. Ensuite, il y a l'action, le fait d'agir concrètement pour que les choses se fassent, que ce soit par des manifs, par des lettres ouvertes, par des rencontres. Et puis surtout, la camaraderie, enfin, c'est juste des rencontres incroyables. La première part de l'engagement, c'est déjà s'informer aussi, de savoir quels sont mes droits et est-ce que moi je les trouve justes, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change ou pas. Ne pas s'engager, c'est fermer les yeux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, il faut aussi penser que tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les choses qui sont à notre avantage, que ce soit dans nos modes de vie, la politique, nos droits, c'est aussi parce qu'avant nous, il y a des gens qui se sont engagés pour ça et que c'est aussi à nous de continuer à améliorer la vie des gens. Tout ce qui se passe maintenant, par exemple, au niveau du réchauffement climatique, ça nous concerne directement. Et puis les jeunes ne sont pas encore blasés, ils n'ont pas encore ce cynisme qu'ont peut-être les grandes personnes.